Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec une toute nouvelle boutique. C'est une nouvelle boutique pour moi, mais c'est une nouvelle boutique également qui commence à se faire connaître un petit peu par les partenariats de YouTube. C'est la boutique Seven Grint. Alors j'espère que je prononce bien, mais je vous aurai remis le nom à l'écran. Et je vous retrouverai également en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles que j'ai choisis. Alors, vous aurez deux vidéos. Là, la boutique demande... Alors, j'avais le choix de faire une vidéo pour un plus petit budget et ou faire deux vidéos et j'avais un budget un tout petit peu plus conséquent. Donc, j'ai décidé de faire deux vidéos. Alors... j'ai pris un... Alors, c'est une boutique de broderie, voilà. Et donc, j'ai choisi une broderie, DIY broderie, on va dire, et un accessoire. Alors, accessoire, vous avez déjà vu, je vais y arriver. Que j'en ai pris, mais vous savez que j'ai beaucoup de fils à bobiner, j'ai toujours pas fini de bobiner mes fils. Voilà, ce sont des petites cartonnettes en plastique, voilà, blanches comme ceci, donc toutes simples, hein. Je les aime beaucoup, ceux-là, elles sont très solides, et elles sont pratiques. Voilà, vous pouvez coller ici une petite étiquette pour mettre la référence de vos fils. Et donc, c'est un gros paquet. Voilà. Il y en a 120 dedans. Donc, pour 120 cartonnettes en plastique blanc, c'est 5,75 $. Voilà. Donc, si par exemple, vous auriez... la collection des 447 fils, il vous faudrait 4 paquets comme ça. Voilà, pour si vous voulez tout bobiner. Ensuite, alors je vais enlever le plastique. Donc ça, c'est le, on va dire un genre de DIY. Mais je pense qu'on va se mettre face bureau, on verra beaucoup mieux. Voilà, donc vous aurez deviné, c'est un marque-page, voilà. Donc il mesure 18,8 cm sur 5,4 cm. C'est du 14 CT, pardon, et il fait donc 104 points sur 30 points. Donc, voilà ce qu'on a dans le paquet. On a d'abord deux aiguilles. On a deux toiles en PVC. Voilà, donc assez souple. Hein. Je vous montre. Voilà, vous voyez. Donc, on en a deux. On a le petit... Alors, j'aime pas... Moi, j'aime pas, par contre, ce stylo-là. Mais bon, on a le petit stylet pour faire les marques sur la grille. On a un petit pompon. Voilà. Petit pompon bleu. Et bien sûr, on a les fils. Voilà, donc on a 8 couleurs. Ben, je ne sais pas pourquoi je compte, c'est noté là. Donc je vous montre les couleurs. Voilà. Joli fil, bien brillant, bien doux.
Et bien sûr, donc vous avez vu le motif, hein, c'est une partie d'une tête de tigre. Et vous allez retrouver derrière la grille, la légende avec les couleurs. Donc là, ce sera un marque-page complet. Il faudra tout broder. Et sinon, niveau impression, bah écoutez, ça va, hein, il n'y a pas de souci de lecture. Voilà. Alors, ce petit marque-page. Alors, du coup, comme vous l'avez en double, vous pouvez le broder en double, bien sûr. Ou alors, vous ne faites qu'un côté et derrière, bah, vous faites rajouter un tissu, hein, une feutrine, enfin, ce que vous voulez. On le fera certainement ensemble. Donc, le marque-page est au prix de 5,22 $. Voilà. Troisième et dernier article, donc c'est une broderie pseudo Joy Sunday. Voilà, c'est un 14CT 29 × 37 cm. Le silence de la nuit, donc Silence Night, avec le petit toutou. Voilà, elle est en train de lire un livre. Alors, je vous montre. Donc, c'est une estampée. Hop, si j'en oublie la moitié. Bon, je vous remontre le dessin de plus près. Voilà. Très joli. Alors, le patron. Ici, on a 48 couleurs, quand même. On va avoir du full stitch. On a beaucoup de demi-croix. De la demi-croix, on va en avoir... Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 28 références de demi-croix. Il va y avoir aussi du quart de croix. Et il va y avoir aussi du point arrière. Donc, point arrière, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs différentes. Et du point nœud. Youpi! Alors, le quart de croix, pour l'instant, c'est la première fois que je le vois sur ces kits-là. Donc, un quart de croix, bah, c'est juste... Alors, si vous voulez, vous avez... j'ai pas de crayon là. Vous avez votre croix comme ça. Un quart de croix, ça va être juste ça. Voilà. Une petite branche de la croix. Et ce n'est pas du complet. Vous voyez, parce qu'ici, c'est pas brodé. Il y a des endroits où c'est pas brodé. Donc, c'est une broderie qui va être quand même assez légère. Puisqu'il n'y a pas de la croix partout. Là, la fenêtre, vous voyez, c'est de la demi-croix. Ici... Là, c'est du point nœud. Alors, il y a une, deux, trois couleurs différentes à chaque fois. Ça. Alors, là, c'est quoi? Je ne sais pas, celui-là, tiens. Alors là,
Attendez, j'ai un trou. Vous voyez, je vous montre. Voilà, les petits carrés jaunes là. Ah, d'accord, oui, oui. Alors, attendez que je regarde. Ah, ok. Ben, c'est du. Vous voyez, il faut dessiner les carrés de ces bas, donc en point arrière. Donc, c'est du point arrière, mais sur un seul point. Vous faites tout le tour d'un point. Ok. Là, vous allez faire deux tours et un en travers. Voilà. Ok. D'accord. Là, pareil, ça va être de la demi-croix. Ici aussi, là, il y a de la demi-croix et de la croix. Non, mais je pense qu'il va être, il doit être assez léger. Bon, il y a du point arrière, hein, par contre. Voilà. Je vous remontre le dessin. Voilà. Avec le chat, le chien. Et on a les couleurs, bien sûr. Donc là, vous retrouvez le petit sachet avec les deux aiguilles. Et on a donc les couleurs. Voilà, ici, et la dernière plaquette, hop, voilà. Et bien sûr, il y en a encore de l'autre côté. Voilà. Très bien. Très joli. C'est un dessin quand même un peu automnal, je trouve. Et bien sûr, on a la toile. Elle est assez souple. Donc voilà. Donc là, vous avez toute la légende de toutes les couleurs. J'avais dit 48 couleurs, mais non, c'est 49. Oui, c'est 49 couleurs. Bon. Voilà. Alors, attendez, je regarde. Non, ça va. C'est là que, là, c'est un peu plus dur à déchiffrer. Dire qu'il y a là, heureusement qu'il y a le patron papier. Voilà. Alors, ce petit kit, il est au prix de. Alors, c'est un 29,37 cm en toile complète. Et il est au prix de 7,64 $. Voilà.
Écoutez, je suis très heureuse d'avoir présenté pour la première fois cette boutique. Moi, je vous invite à aller aller la découvrir. Je vous mets de toute façon le lien de tous les articles, le lien de la boutique. Alors, je ne sais plus si j'ai un code promo, mais si j'en ai un, je vous le rajouterai. De toute façon, pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.